Bien sûr, qui est engagé dans cette édition 2014 du Tour de l'Avenir avec Jérémy Maison, qui a été à l'attaque à de nombreuses reprises depuis le départ de ce Tour de l'Avenir, avec Guillaume Martin aussi, l'excellent grimpeur, qui a terminé deuxième du Tour de Franche-Comté, huitième en l'état du bruit pour Louis Verwijk. Mais quelle victoire de ce garçon, et qui vient de dédier cette victoire à Igor, un jeune russe qui prend la deuxième et la troisième place. Alexander Folivorov à la deuxième place et Ivankin qui vient prendre la troisième place de l'étape du jour. Miguel Angel Lopez vient prendre. Et écoutez les applaudissements du public pour Pierre-Roger Latour qui vient prendre donc une place parmi les six premiers de cette étape de l'étape du jour. Les coureurs légèrement décramponnés dans le final. Le coureur de l'équipe nationale d'Allemagne qui vient prendre une place, deuxième, troisième place. Et puis on a trouvé également la Norvège avec...